Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'île Maurice, avec ses plages de sable fin, son eau bleu azur, sa diversité culturelle et puis ses activités en pleine nature. C'est un voyage entre terre et mer, dans un véritable cadre enchanteur. Alors l'aventure a commencé, on a tout d'abord loué une voiture pour la première partie de ce voyage, en roulant à gauche. Et nous nous sommes tout d'abord rendus au jardin de Pamplemousse. C'est le plus beau jardin botanique de l'île Maurice. Il regroupe 600 espèces d'arbres et de végétaux, alors des arbres fruitiers, des arbres à épices et également des arbres centenaires. On a vraiment été transportés par les odeurs de cannelle, de muscade, de bois de santal. C'est une visite que je vous recommande de réaliser, notamment avec l'aide d'un guide qui vous apportera de précieuses informations. Ce jardin est vraiment l'un des piliers du patrimoine de l'île. Et d'ailleurs, on a également croisé des chauves-souris par dizaines, des oiseaux et également des tortues. On a poursuivi notre journée en nous rendant à l'aventure du sucre. C'est une ancienne sucrerie qui a été transformée en musée pour comprendre un petit peu toute l'histoire de la canne à sucre si importante à l'île Maurice. C'est un lieu qui est interactif et riche en découvertes et qui propose également des dégustations. On a ensuite pris la route cette fois-ci en direction de la capitale, Port-Louis, où on a fait un stop au marché central. C'est un lieu absolument incontournable là-bas. On s'est laissé à nouveau transporter par les senteurs, les couleurs et les bruits de ce monument de la vie locale. Nous avons aussi profité de la délicieuse cuisine locale, authentique, riche en saveurs et puis en générosité. Et ensuite, nous avons pris la direction de Chamarelle, qui est un endroit très réputé sur l'île, avec sa grande cascade nichée dans une végétation plutôt tropicale. Il y a d'ailleurs un arc-en-ciel qui a pointé le bout de son nez à notre arrivée, j'ai trouvé que c'était un joli signe. La visite s'est poursuivie avec la célèbre Terre des Sept Couleurs. C'est un site iconique à Maurice. Et en fait, ce sont des dunes de terre dont la couleur passe du bleu au violet, à l'ocre et également au rouge. Et ces variations, en fait, sont dues à l'érosion. Les couleurs sont plus ou moins perceptibles, ça dépend plutôt du temps. On a terminé par la visite de la maison de la Vanille au cœur du domaine de Saint-Aubin. C'est un moment qui a été très enrichissant, on a pu en savoir plus sur la production, la récolte et la pousse des gousses de vanille. Leur odeur qui était absolument délicieuse était partout, c'était très agréable. Si vous souhaitez en acheter, je vous recommande vraiment de le faire dans cette maison. Nous sommes partis pour une journée en bateau avec un petit groupe où on a vécu l'un de nos plus beaux moments de ce voyage. On a navigué sur un bateau avec un fond de verre pour pouvoir observer les poissons et les coraux d'un petit peu plus près. On a également réalisé plusieurs sessions de snorkeling en découvrant la faune et la flore locale. C'est vraiment un endroit où je me sens bien, qui est vraiment paisible. Puis on a fait un stop sur l'île aux Fouquets, qui est aussi appelée île aux phares. C'est un îlot rocheux qui offre un superbe panorama. Le phare date de plusieurs siècles et nous étions quasiment seuls à ce moment-là, c'était tellement calme. On a repris le bateau cette fois-ci en direction de l'île aux cerfs et plus particulièrement sur l'arrière dans un petit coin plus tranquille. On s'est d'ailleurs régalé avec de la langouste cuite au barbecue. Et puis on a profité de ce cadre idyllique pour prendre de la hauteur et faire du parachute ascensionnel. Quelle belle expérience, c'était vraiment un moment hors du temps où on a pu admirer les paysages absolument magiques qui s'offraient à nous. La couleur du lagon nous a vraiment époustouflés, sa beauté était plutôt incroyable, les récifs coralliens également. C'était une journée qui était particulièrement réussie et que je vous recommande de vivre si vous rendez à Maurice. Mais l'île Maurice n'est pas réputée uniquement pour ses plages paradisiaques, il y a plein d'autres activités à réaliser, dont des randonnées. Alors on a commencé par celle des 7 cascades, qu'on a réalisée seule, mais elle peut aussi être menée avec l'aide d'un guide. Le niveau est moyennement difficile, c'est faisable, il faut simplement grimper un petit peu partout à travers la forêt. Et le panorama verdoyant était vraiment très très beau. En plus ce jour-là, le temps était un petit peu couvert, on a eu quelques gouttes. Alors on était presque seuls et c'était vraiment des paysans.
Et alors le lendemain, on a décidé de s'attaquer à l'ascension du Morne Brabant. C'est une belle falaise du sud-ouest de l'île. Alors je ne vous cache pas que la randonnée a été difficile. Après un trail de quelques kilomètres, il faut escalader les roches pour grimper au sommet. Mais je vous avoue que la récompense était tellement belle. La vue était à couper le souffle. J'ai vraiment repoussé mes limites pour pouvoir découvrir ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais j'en garde un excellent souvenir. Je suis vraiment très très fière d'avoir pu atteindre le sommet pour pouvoir découvrir ce paysage dont je pense je me souviendrai toute ma vie. Et puis on a terminé notre journée en allant observer les kitesurfers qui profitaient un petit peu des vagues. Alors plusieurs religions sont présentes à Maurice, qui est notamment bercé par l'hindouisme. Et il y a un lac sacré, celui de Grand Bassin, qui accueille environ une demi-douzaine de temples et des sculptures absolument gigantesques, dont celle de Shiva. On a aussi à cette occasion pu faire la rencontre de plusieurs singes sur notre chemin qui se baladaient vraiment tout en liberté. Et puis après 6 jours à vadrouiller à travers l'île, on a eu envie de faire niente, donc pour ça on a choisi un bel hôtel qui était situé à Flic-en-Flac. C'était un endroit plutôt idéal pour pouvoir se prélasser au bord de la piscine, pour lire les pieds dans le sable et prendre finalement simplement le temps. Place alors au moment de détente en amoureux, à profiter de ces précieux instants que la vie nous offre. Les couchers du soleil avaient quelque chose de magique. Les couleurs étaient si belles. On avait vraiment le sentiment que le temps s'était arrêté l'espace de quelques jours. En tout cas, on a vraiment pu prendre le temps de découvrir l'hôtel, de profiter de la plage absolument idyllique et de cette eau translucide. La température était agréable, on a pu s'y baigner tranquillement et le cadre était vraiment très très beau. La décoration choisie avec beaucoup de goût. On a pu également profiter d'une petite balade en pédalo pour prendre un petit peu plus de distance et profiter aussi de ces beaux paysages qu'il y avait tout autour. Maurice nous a offert un dépaysement vraiment total grâce à son identité et puis à son véritable charme. On a quitté l'île avec de magnifiques souvenirs en tête. Chaque voyage que l'on réalise est unique, mais je vous avoue que celui-ci était particulièrement magique. C'est sur ces images que cette vidéo touche à sa fin. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera peut-être l'envie de découvrir l'île Maurice. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt.